faites identifier vos animaux, mettez vos coordonnées à jour au fichier de Centrale Canine ou Féline et surtout ne les laissez pas sur la voie publique. Si vous avez des soucis, venez nous discuter avec nous, on trouvera toujours une solution pour prendre votre animal. On achète des camping-cars d'occasion pour avoir un peu de liberté à la retraite et puis on nous empêche de stationner. Là, à 12 euros, l'aire de camping-car qu'ils ont fait, c'est bien, mais à la fin du mois, ça commence à taper dans les petites retraites.